vous êtes, il va déjà arriver. Le fait de voir enfin ce qu'on a bien aimé. Je parle d'une histoire qui m'a vraiment choqué. Oui, ça m'a choqué, je vais pas pardonner. Un mardi soir, j'ai dormi sous ma lune. Minette, quelques bouteilles, je suppose que j'étais ivre. Pero luna bonita de ma dream. Elle me faisait trilinguer car elle était sublime. C'est une nuit tout montée, tout montée. La femelle m'a dû tenter, je suis tenté. Je me sens voir dans la réalité. Sortir de mes rêves et vivre la réalité. Le lendemain très tôt, je me suis réveillé. M'habiller, me chausser, prendre la route, aller travailler. Éviter de passer la route d'à côté. M'esquiver d'embouteillage, je franchis la rue estimée. Et sur la route, mes yeux ont vu la fille. Je peux demander si j'étais un rêve ou bien où suis-je. J'ai descendu la caisse pour la suivre. Jusqu'à ce qu'elle retourne à me garder, j'étais timide. J'ai rencontré en face, on l'a vu dans mes rêves. Les pistes mettent en place comme des bidons de chaîne. Elle est partie sur place que je ne la freine. Si seulement je pouvais la revoir, je suis fâché. C'est comme dans mes visions. C'est la fille que j'ai vue dans mes rêves, y'a pas de confusion. La regarder en face me donne de l'illusion. Je me sens tout d'un coup motivé comme si j'étais en mission. J'ai pile ou face, je dois lui parler. Je suis resté en place, pouvais pas me déplacer. J'ai perdu les phrases, pourquoi vais-je commencer. Je me sentais dans mission impossible que tout allait se gâcher. Les deux jours tout montait, tout montait. J'ai vu la vie, j'ai pas pu lui parler. Je me sens coupable, oh, je me sens coupable. J'ai rencontré en face, on l'a vu dans.